Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un guérisseur très connu, Bruno Gröning, qui vécut en Allemagne au XXe siècle. Il décéda à la fin des années 50. Sa particularité est qu'il introduisit la guérison spirituelle, donc la guérison à l'aide de la puissance divine. Il disait « Croyez et faites confiance » et de nombreuses personnes étaient ainsi guéries. C'était un être magnifique qui a donné toute sa vie des guérisons à de nombreuses personnes d'une manière totalement gratuite parce qu'il avait jugé que pour lui c'était essentiel et il procédait ainsi. Il a parfois été débordé, bien sûr, par son action trop généreuse. Mais encore maintenant, de nombreuses communautés l'invoquent pour faire des guérisons miraculeuses qui ont encore lieu après sa mort. Il disait notamment, Bruno Gröning, que rien n'est impossible. Sa force était également dans les paroles. Il disait « Vous voyez mon corps, vous entendez les paroles que je vous transmets, mais vous ne pouvez pas encore croire que celui à qui nous appartenons est véritablement parmi nous. Et il vous exhorte à assumer vos paroles, à assumer vos promesses. Il veut être accueilli dans chaque cœur. Il veut vous guider. Il veut guider chaque être humain, chaque corps. » Bruno Gröning guérissait les personnes, soit individuellement, soit par groupe. Et ces dernières étaient parfaitement rétablies après quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Ce fut vraiment de nombreux miracles qui furent opérés à cette époque, jusqu'à la fin des années 50. Maintenant, encore de nombreuses communautés dans tous les pays l'invoquent pour demander des guérisons. Mais lui, il a toujours dit que c'est pas lui qui guérissait, c'est une force supérieure qui vient et qui guérit. Il suffit d'avoir confiance et de croire. Vous aurez donc compris que la confiance en soi, pour une guérison, même si elle est pratiquée par un thérapeute, est très importante. J'espère que cette petite vidéo vous aura appris encore davantage pour aller de l'avant. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre écoute.